Il est l'heure d'allumer la Sarthe, l'ancêtre du MTVS. Alexandre est chauffeur, c'est à lui que revient cet honneur. La vapeur nous apprend la patience, car si la locomotive roule au charbon, on allume et on fait monter tranquillement en pression avec du bois, au pouvoir calorifique moins élevé. Faut l'allumer drôlement tôt. Oui, c'est une montée en pression, 2h30-3h pour celle-ci. Après, plus la machine est grosse, plus elle va demander plus en plus de temps pour monter. Tous les 10 ans, il faut faire retimbrer la chaudière des locomotives. C'est une sorte de contrôle technique. On s'assure ainsi qu'elle peut rouler sans exploser, par exemple. Tout ça a un coût, évidemment, qui s'ajoute à tous les autres, une aventure sans cesse renouvelée pour nos bénévoles. On est l'exemple même de ce que l'on dit qui ne peut pas marcher, quoi. C'est-à-dire qu'on est des bénévoles, donc on travaille gratuitement. Déjà, on nous dit « waouh », c'est pas souvent. On arrive à trouver des fonds pour des projets avec 6-0 derrière. Et on dit « vous ne trouverez jamais les fonds ». Puis sur 2 ans, on les trouve. Et c'est très optimiste ce que l'on fait. Là, j'ai mis de l'huile pour pouvoir lubrifier et graisser les têtes de miel pour que tout ce que les axes roulants puisse éviter de chauffer pendant la marche et ainsi faciliter le bon fonctionnement de la machine. Il faut vraiment faire un entretien très poussé. Oui, bah c'est une vieille dame. La pression commence à monter. Il est temps d'atteler la Sarthe à la rame qui va nous conduire dans la campagne. Mais l'heure du départ n'est pas encore venue. La chaudière est timbrée à 12 bars, c'est-à-dire qu'à 12 bars, elle sera à son plein potentiel. Là, du coup, on est qu'à 6 bars. Elle pourrait théoriquement tirer le train, mais ce serait pas très bon pour elle. Ce serait demander trop d'efforts. Puis elle pourrait pas freiner non plus. Non, parce que le frein à vide est alimenté par la vapeur. Et du coup, plus il y a de pression dans la chaudière, plus le frein sera efficace. Encore un peu de patience, donc. Faisons un petit tour à Butry, où nous attend la 130 SACM de 1924, qui de Berck à Noyon a fait toute sa carrière dans les Hauts-de-France. Pour ses derniers tours de roue, elle tirait des trains de betteraves du côté de Crèvecœur, justement. Pour nous, oui, elle est très importante, parce que c'est la seule loco que l'on a qui a fini sa carrière à Crèvecœur-le-Grand en 1961. Donc pour nous, c'est le hasard de l'avoir dans la collection, ce n'était pas prévu. Mais pour nous, la boucle est bouclée. En la retournant à Crèvecœur, elle revient où elle a fini sa carrière. Et le grand projet, bien sûr, c'est de la restaurer. La Sarthe, cette drôle de petite machine, c'est la première loco sauvée par le MTVS. C'était en 1976 et elle avait déjà près de 80 ans. C'est une locomotive des tramways de la Sarthe. Ça roulait dans les rues. C'est pour ça qu'elle est carénée, on voit pas les roues, faut pas effrayer les chevaux. Et elle est de 1898, mais elle est encore en forme. C'est quoi un chauffeur? Alors le chauffeur, il s'occupe de maintenir la pression dans la chaudière. C'est ce qui permet de créer l'énergie, ce qui va permettre au train d'avancer. Et si vous mettez trop de charbon, ça va pas non plus? Si on met trop de charbon, bah ça étouffe le feu. Et du coup, plus de feu, il n'y a plus de vapeur, il n'y a plus de train. C'est un vrai métier, hein? Ah oui. Bah moi je fais ça par passion. Je fais pas par passion, moi je suis agent hospitalier. Je suis agent hospitalier, mais je fais ça par passion parce que c'est le bonheur. Le bonheur. Et dire que la voie n'est pas encore posée jusqu'au bout. Alors bon courage à vous les bénévoles, Olivier, Robert, Jacques, Yves, Roger, Claude et tous les autres.